Et salut à tous les amis, c'est Emy, on se retrouve aujourd'hui sur Banished pour la suite de nos aventures. Alors la dernière fois on avait été, je vous rappelle qu'on avait des problèmes voilà, de bouffe, hein, clairement. Nos réserves baissent énormément, on n'est pas très loin d'une famine quand même. On consomme beaucoup trop de nourriture par rapport à ce qu'on produit. Donc j'ai pris des mesures, j'ai construit plein de champs. Je vais aussi construire par ici là un chasseur, un nouveau hunter. On va le mettre là, j'ai vu qu'il y avait pas mal, j'ai observé un petit peu, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'animaux, donc je vais le mettre comme ça là par ici, hop, une hunter's cabine juste là. Histoire d'avoir un petit peu plus de marge niveau bouffe. Voilà. Mais normalement, je pense que la tendance devrait s'inverser assez rapidement. Alors, voilà, on va arrêter de lui demander ça parce que j'ai ce qu'il me faut. Schoolhouse, c'est en train de se construire tout là-haut. Une troisième école là qui arrive. On a quand même 268 habitants, près de 300 personnes. J'ai l'impression qu'on avait plus. Ma population aurait été en train de baisser, enfin, plutôt stagner. Va nous falloir penser à construire une autre carrière aussi. Oh là 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 là. Voilà la bouffe là, on a fait les récoltes, donc ça va mieux. On utilise 19 000 sur 13 000. Oula, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. On est largement pas. On en produit là, largement pas assez pour le coup. C'est les 36 nomades que j'ai gentiment hébergés qui m'ont fichu dans le caca. Je vais du coup aussi remettre une Gatherer's Hut. On va repartir sur des principes rapides et efficaces. J'ai envie de dire, voilà. Forester, tatata, Hunter, tac tac tac, 15. On manque de manteaux aussi. Je vais demander à mon tailleur de. Où est-il mon tailleur? Je ne sais plus. Blacksmith. Tailor, fais juste des hide coats. Parce que là, on a plus de vêtements. Donc fais juste des hide coats parce que je sais pas si on a encore beaucoup de laine. Inventory. Si on a encore de la laine pourtant. C'est du cuir qu'on a pu. Bon alors il est juste. Il m'en faut juste un autre en fait. Il m'en faut juste un autre. Hop là, voilà. Là, c'est un petit peu. Je vous avoue que je suis un petit peu dans stress là de tout ça. Euh, 27 720, 27 230. Donc, on rattrape notre retard quand même. C'est un petit soulagement, je vous avoue. On n'a plus de vêtements. Hop, storage.
et un petit puits pour éviter les catastrophes. Voilà. Bon, il nous faut 17 builders. On est loin du compte, mais ça va se faire petit à petit. Production, ouais, voilà, la production est repassée au-dessus de notre utilisation, donc c'est pas mal. On est à 262 habitants, donc notre population est bien en train de baisser, hein. Je me posais la question la dernière fois. En tout cas, de stagner. Elle est pas. Ouais, bon, on va éviter de. J'en ai pas besoin. 15%. 33. 33. Réservoir Stone is low. Bah, tu m'étonnes avec tout ce qu'on construit. Ça ne m'étonne pas. 56, 15. Ouh, on a besoin de 20 gatherers. Voilà. 19 et 20, c'est parfait. Sinon, on est bon partout. Plus ou moins. Hop, Taylor. On a besoin d'un Taylor. Où est-il dans la liste? Taylor. Voilà, super. Parce que là, les manteaux, vous voyez que c'est. Fouf, ça part super vite. Donc, comme mieux vaut prévenir que guérir. Surtout dans Banished, où guérir ça prend beaucoup de temps et ça demande pas mal de chance aussi. Qu'est-ce qui est l'eau? C'est les stones, hein, ouais. Dit-il en construisant plein, plein, plein de trucs en stone. Ah, logique quand tu nous tiens. Tiens, on va être prévoyant. Ah, me dites pas qu'il va manquer de la place là, ici. Les bâtiments en diagonale, ce serait quand même vachement pratique. Parce que là, il va me manquer rien du tout pour pouvoir la construire là. Ouais, rien du tout, vraiment rien, un rien, un rien. Et comme ça passe pas non plus. Si je la construis là, ça commence à faire loin de ma ville. Alors, où est-ce que je peux te placer autrement ou un endroit où ce soit pas trop gênant et pas trop moche? Peut-être par ici. Allez, on va dire par ici. Hop là, voilà. Voilà. Comme ça, elle sera là. Elle sera prête à prendre la relève de l'autre. Je vais pas la mettre en état de fonctionnement pour le moment, mais ce sera prêt à s'enchaîner, comme ça j'aurai pas. La transition se fera correctement. Hop, je vais mettre du stockage ici parce que là c'est pas mal blindé. C'est même carrément blindé, il y a même du charbon, alors que normalement le charbon ce serait plus de ce côté-là. Ah mais là ils sont blindés aussi. Hop là, je vais remettre du stockpile ici parce que là c'est plein aussi.
Je vais pas augmenter les limites parce qu'on est déjà, enfin, on en produit suffisamment et c'est pas la peine de faire des réserves énormes. On a déjà des réserves énormes de plein de trucs pas super utiles, donc c'est pas la peine. Hop. Voilà, ils sont en train de se construire tranquillou. Doud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 o
Voilà, on est revenu un petit peu avant la construction, que j'ordonne la construction de mon marché. Voilà. Rien de très grave au final. Hop là, voilà, je l'ai décalé un petit peu. Tu sais, il empiétera moins sur celle-là, un peu plus sur celle-là. Au pire, je reconstruirai des choses par là-bas. Du coup, ouais, on n'a pas perdu grand-chose. Les sauvegardes, je crois que j'ai réglé les sauvegardes sur toutes les minutes ou quelque chose comme ça. Donc ça va. Ah mais non, si quand même, on a quand même perdu les constructions de mes maisons ici. Ah mais on a quand même perdu pas mal. On a quand même perdu pas mal. Bon, je vais attendre que mon marché soit construit. On va organiser les choses un petit peu mieux, du coup. Je vais attendre que mon marché soit construit ici pour organiser la suite des événements. Voilà. Quand vous avez pas mal de population comme ça, c'est intéressant aussi d'avoir éventuellement voilà, des laboureurs en réserve. Comme ça se renouvelle automatiquement. Et vous n'avez pas à le faire vous-même. Là, par exemple, je sais que je vois que j'ai pas de problème. Je vais les laisser les deux là en laboureur. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui meurt, et ben tout simplement, ça permettra de remplacer automatiquement les laboureurs. Sans que j'aie à intervenir dans dans les box de. Par moi-même. Ça, c'est aussi bien. Hop. Je vais peut-être du coup les construire en bois, mes maisons là, que j'avais prévues. Et 4. On les upgradera plus tard. Oh, du coup, 17. Parce que là, avec la stone a pris un gros coup avec le marché. Regardez tous les petits œufs, là, toutes les omelettes qu'on pourrait se faire. Grande classe. Stone, c'est pas très grave. Tant qu'on a de la bouffe, moi ça me va. Ouh. Ouais, oh. Ouais, c'est bon, la food, ça s'est réglé le problème, définitivement. Gatherer's Hut, Hunting Cabin. Combien ils en produisent? Ils doivent pas en produire beaucoup, je pense. Ah, quand même, 600 000. Ouais, si on arrive à quand même des chiffres assez intéressants. Et là, on est pas mal, ouais, effectivement. Bon. C'est pas transcendant non plus. Mais, ah, le marché est fonctionnel. Je vais construire des routes pour le desservir. Hop là. Hop là. Voilà. Et ça permet d'alimenter ça complète, vous voyez, ça se chevauche même pas, c'est un tout petit peu, mais rien du tout. Ça permet de fournir un petit peu toutes les maisons qui sont là, qui sont autour, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça permet aussi de. Parce que là, mais le stockage commence à être bien plein. Donc là, ça permet aussi de vider un petit peu le lieu de stockage petit à petit. Hop. C'est aussi bien. Puis ça désengrangera un petit peu celui-là. Qui est vraiment pris d'assaut. Hop. Moins 1 degré. C'est pas très chaud. C'est pas très chaud. Un 264. Ouais, j'ai du mal à faire augmenter ma population là. Vraiment. Stone is low. Hop, quelques petites maisons par ici. Voilà. Est-ce que tu vendrais de la stone, toi? Non, hein.
Pumpkin seed, wheat, log, pepper, chestnut. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas ce que tu vends, monsieur. Bon, là, c'est un petit peu. Là, ça fait vraiment petite ville. Là, c'est un peu plus le bazar, mais il faut que je laisse les aires d'influence, etc. Parce que sinon, on va plus rien produire. Déjà, là, qu'on abat quand même beaucoup d'armes à mon goût. Étant donné nos réserves de logs, je vais peut-être. Tac, où est-ce qu'il est? Hunting Gatherers. Blacksmith, j'avais pas un. J'avais pas un bootcutter là dans ce coin-là s'il est ici. Bon, quoi que vous me direz, ça va encore, c'est pas trop clairsemé la forêt. Ça passe. Ça passe. Les outils, bon écoutez, on va voir. Leur évolution, tools. Pour l'instant, ça passe. Hop, je l'arrête, je la fais pas travailler. Puis je la ferai travailler quand, voilà, quand celle-là arrivera à zéro. Je ferai pareil pour les mines aussi. Allez, on peut aller jusqu'à 700 outils. Je vais aussi refaire un petit cimetière. Parce que celui-là, il doit être plein. 24, 48, 35, 42. Des nomades, combien ils sont? 25. Ouais, on peut se le permettre. Largement. Allô. C'est un bon moyen de booster ses citoyens. Et là, j'ai clairement de quoi les accueillir, donc bon, il n'y a pas de raison. Bon, le voisinage serait pas top. Mais c'est mieux que pas de maison du tout. Nous, on a 0,0 pierre là. Plus du tout, du tout, du tout de pierre. Hop, 30. Hop, des vendeurs, 16 sur 24. Voilà, c'est parfait. Peut-être laisser deux laborers pour éviter, comme je vous l'ai dit, pour que ça tourne. Et éviter que. Enfin, pour tout simplement, comme je vous expliquais, que ça se remplace automatiquement, qu'il n'y ait pas de. De soucis. Fais tout ça à la Forester Lodge. Je m'étends par ici dans ce cas-là. Puis par là également. Ça se passe plutôt très bien. Oh là là là, 81% full, 75% full. Là, on a vraiment tous nos petits champs. Tous nos petits champs. Et je suppose qu'ils habitent tous là pour l'instant. Ah ouais, ils sont nombreux dans ma boarding house là. Ils sont nombreux. Ces maisons vont être construites assez rapidement, donc ça va. Enfin, dès qu'il y aura de la stone en fait, sur tout ça. Et on a besoin pour le cimetière aussi. On a par ici de la stone, on va aller la récupérer. En attendant, sheep cattle, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Du tout même. Pas du tout pour le moment.
C'est pas mal peut-être un marché dans ce coin-là aussi, quand je me serais peut-être étendu là par ici. Je sais pas trop. Je verrai bien. 5%. Ça va arriver assez vite. Et écoutez, on va pas tarder à se laisser, puisque on arrive au temps réglementaire, si je puis dire, de vidéo. Voilà. On va se laisser en plein hiver. Notre marché fonctionne bien. On révartit un petit peu, on va. Bon, il va chercher depuis vachement loin quand même. Un petit peu les. Waouh, mais pourquoi? Pourquoi vous allez travailler si loin? Il faut du job, il faut des jobs plus proches alors. Ouais, ça c'est bon, on va vérifier qu'il n'y en a pas un qui fait 3 milliards de kilomètres. Genre lui. Pourquoi diantre viens-tu de si loin? Bon, c'est pas très grave, vous me direz. Il y a encore des gens là-dedans? Non, il n'y a plus personne. Cool. Cool. J'aime pas tellement ces chiffres. Produce 31 000, used 21 000. Donc ça c'est 29 000. Donc ça c'est bien. Malgré nos 30 habitants supplémentaires. Vous avez vu ce trou? Ça fait. C'est impressionnant. Malgré nos 30 habitants supplémentaires, on est toujours au top. Est-ce que je peux faire une route là? Non, hein, évidemment, ce serait trop beau. Est-ce que je peux faire un fishing dock ici? Non. Ah! Ah, yes! Cool! Hop, 2. 10. On va les mettre là. 24. Tant qu'à faire, autant que ce soit utile. Voilà. 3. Se continue de diversifier les formes de nourriture. J'en ai déjà 2 des fishing dogs. 3. J'en ai 3, donc hop, c'est le quatrième qui sort de terre. Mais on n'est pas à un prêt. ~2%. Je pense qu'on verra la fin dans le prochain épisode, la fin de cette mine. Est-ce qu'on pourrait faire aussi un pont par ici? Ça passe là un petit pont? Ou même plutôt comme ça là ici, ce serait moins grand. Hop là, voilà, petit wooden bridge. Histoire de tout faire communiquer. Voilà. Hop. 4 builders. Et on va avoir besoin de fishermen aussi du coup. Tac tac. Tac, 16, c'est super. Ils reçoivent un award settlement. Cool! Parce que je crois que je dépassais 300 habitants. Voilà, 301 habitants. Et ben écoutez, on va se laisser sur cette récompense. J'ai gagné le succès settlement. Donc c'est petit, je sais pas, ouais, campement, gros campement quand même. Hein, parce que ça fait. Waouh! Ça fait quand même pas mal de monde hein, qui cohabite et qu'on fait survivre depuis bientôt 54 ans. Moi je suis impressionné par tout ça et par
par une petite ville qui est, ma foi, fort sympathique. Je trouve 0%. Hop. On va l'ouvrir ici. Voilà. Je sais pas exactement comment ça se passe si celle-là, elle arrête de compter ou apparemment il continue de creuser. Voilà. World Disable. Parce que. Mais on peut plus. Vous voyez qu'on peut pas. On peut pas l'enlever. On est condamné à ce que ça reste dans notre paysage. Pour toujours. C'est pas forcément la chose la plus. La plus élégante dans le paysage, mais écoutez, c'est comme ça. Y a pas le choix. Et ben voilà, bah écoutez, on va se laisser ici parce que ça fait ouais, tout pile 30 minutes normalement, avec même avec le petit bug. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!